Bonjour, ici Luc Archambault, bienvenue à une autre production de Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, je reçois un auteur, un écrivain qui compte des belles histoires, en particulier pour la jeunesse, mais aussi pour les jeunes de cœur. Donc, je reçois aujourd'hui un gars de Saint-Jean, un gars que probablement vous connaissez aussi, c'est Jean-Pierre Guillette, auteur et écrivain. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. Ce que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne télé de votre député au service de la communauté, une sorte de télévision communautaire. L'idée, c'est de se connaître plus pour être capable de mieux s'aider, de mieux travailler ensemble. C'est ce que j'appelle communiquer plus et communiquer mieux, comme ceci. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour Luc, ça va bien? Ça va bien. Merci Écoute, et merci pour l'invitation. ça nous fait tellement plaisir, Tabarnouche. On découvre des talents, nous, tout bout de champ, puis tu fais partie de ça, évidemment, parce que, bon, je ne te connaissais pas avant, mais là, c'est le fun de rencontrer du monde de la place qui, comment je pourrais dire, font leur marque tranquillement, puis de ton côté, mais c'est en écrivant des livres, des histoires, surtout pour notre jeunesse, ou comme je disais tantôt, pour ceux qui sont jeunes de cœur. Puis, récemment, je pense que tu as deux bouquins là, qui s'en viennent ou qui sont déjà sortis. Parle-nous-en donc un petit peu. Ouais, ben, ils viennent juste d'arriver, là. Ils viennent d'arriver dans les librairies. En principe, je peux encore aller voir, là, mais ce que l'éditeur me dit, là, c'est tout chaud, là, tout frais, là. Alors, il y en OK. a un pour les plus jeunes, disons, le début du secondaire, à peu près, là. Oh, là, Oui. je vais vous montrer comme faut. Ça s'appelle Clash sous la glace. Alors, on sort à peine de l'hiver, mais moi, je nous ramène dans l'hiver avec ça. En fait, ça se passe, au pôle Sud. C'est un récit OK. d'exploration puis d'aventure. Je pense que les jeunes secondaires devraient aimer ça. C'est le deuxième d'une trilogie. Le Ah, premier a OK. paru pendant la pandémie. C'était pas le temps idéal, là. Puis là, je travaille sur le troisième dans cette trilogie. OK. Ouais, c'est vrai, la pandémie, ça met un frein à beaucoup de choses. Évidemment, la publication des livres, entre autres, là. Donc, faut être vigilant. Je pense, hein, on recommence, mais il faut être vigilant. Oh oui, comme je vous dis, le premier, là, il y avait un salon du livre virtuel, c'est pas idéal, là. Je suis allé faire une entrevue un peu comme ça, là, au Palais des Congrès, enregistré, puis c'était comme une ville fantôme. Ça faisait très excessivement bizarre. Là, je suis content que je vais pouvoir plus tard peut-être recommencer à avoir des lecteurs, là, j'espère. Les gros salons du livre de l'automne, là, on va repartir avec ça. Ben oui, je vous le souhaite à part de ça parce que c'est important de diffuser les histoires. C'est ça qui nous rassemble. Tu sais, c'est pas pour rien que les hommes des cavernes racontaient des histoires aussi, là, Ah ouais, ça autour vient du feu loin, de ça. camp. Ça Oui, vient de oui. loin, puis ça nous tient ensemble, ça nous réchauffe. Ça, Effectivement. oui, puis ça nous fait un peu comprendre les autres aussi, parce que la manière que quelqu'un parle de ses expériences, ça nous fait nous mettre à la place de quelqu'un d'autre, puis ça nous enrichit. Moi, je suis un grand lecteur aussi. J'ai été bibliothécaire dans une autre vie, alors j'ai toujours aimé la lecture, puis faire connaître les livres à tout le monde aussi. Ben, je comprends, être bibliothécaire, on côtoie les histoires à journée longue. L'autre roman, on va finir de parler de celui-là, ça se passe dans le pôle Sud. C'est des jeunes qui s'en vont et qui sont en exploration là-bas, juste pour mettre l'eau à la bouche ou la glace à la bouche, un des deux. Oui, la glace va fondre. Elle va venir par fondre d'ailleurs, parce que dans le Oh. troisième tome, avec les réchauffements climatiques, ça va faire des bouleversements. Aïe, aïe, aïe. Mais j'ai basé ça sur des faits réels. C'est de l'aventure, là. Ça va, je pense qu'il va y avoir un élément assez palpitant là-dedans. Mais à la base, il y a quand même des éléments scientifiques réels, parce que moi, de formation, je suis aussi biologiste. Alors, j'étais professeur de sciences aussi dans une autre vie encore. Alors, j'aime ça, intégrer des éléments véridiques puis essayer Ben oui. d'extrapoler avec ça, là. Ben oui, absolument. Donc, vous pensez que le pôle Sud, ça va fondre, Ben, cette glace-là? ça commence déjà, là. Et puis, mes pauvres aventuriers, ils étaient sur un bateau de croisière qui a été frappé par un iceberg parce que la banquise se détachait. C'est pas des choses impossibles, là. Ça peut arriver. Ouais. OK. Ouais, c'est dans la grosse aventure, ça, là. Un glacier qui se détache puis frappe un bateau.
D'habitude, ça vire pas bien. Ouais, mais savez-vous, j'ai appris ça aussi parce que j'aime ça, ben, me documenter. En dessous des glaciers au pôle sud, il y a des lacs où l'eau est liquide. Il y a des poches d'eau liquide, puis il y a un lac en dessous du glacier très, très grand, aussi grand que nos grands lacs à nous ici, là. Et Ah puis, ouais. bon, en tout cas, finalement, mes personnages finissent par se ramasser là, en dessous du glacier. Puis ils dépendent de Ah la ok. vie en dessous de ça, là. C'est toute une autre histoire. Ok, ah, ça doit être. Ouais, ok, ça donne l'eau et la bouche, C'est ça, là, c'est. le cas Ah, c'est le fun. Donc, ça s'adresse aux jeunes, là, aux jeunes secondaires, que tu disais tantôt, là, en tout cas. Ou les. Comment je pourrais dire? Ou à l'âge secondaire, finalement. Ah, c'est sûr que moi, je suis resté qu'avec le goût de ce genre de livre-là, je le lirais juste pour moi aussi, là. Je l'écris aussi ce que j'aime, là. Alors, des histoires d'aventure, ceux qui restent jeunes, comme vous dites tantôt, là, ben, ça peut être pour eux aussi. Mais je le destine surtout au secondaire 1, 2 et 3, mettons, là, ça pourrait être ça. Non, c'est pour les plus vieux, là. Un autre qui est sorti, ben, je peux vous en parler si vous voulez, là. C'est celui-là, là. Oups, on voit-tu quelque chose? La Celui-là, bariolée. ouais, la bariolée de l'île-mère. Bon, voilà. Oh, difficile avec l'éclairage. Hein? J'espère que je n'ai pas le teint trop pâle. On me disait ça tantôt, que la lumière. Je vais finir par aller dehors après l'entrevue. Je vais prendre des couleurs. Donc, la bariolée de l'île-mère, qui est plus pour les plus vieux, là, ça peut être le secondaire 4, 5, cégep, ou n'importe qui, là, dans le fond, là, les adultes jeunes, et de cœur aussi, encore une fois, là, c'est un récit qui est plus élaboré, là, il y a pas mal plus de pages aussi. C'était plus long à rédiger, c'est sur 2 ou 3 ans, là, que j'ai rédigé ça. Oui, puis je lisais un peu le résumé de cette histoire-là, et finalement, ça joue sur le ton de comme des deux pas deux races, là, mais comme deux castes, deux sortes de citoyens, deux niveaux de citoyens qui se passent dans un endroit. En tout cas, c'est un peu intemporel, on dirait, c'est un peu Ouais. comme une vision soit de l'avenir ou du passé, là, mais c'est expliquez donc un peu Non, mais plus c'est exactement ça. Alors, Ah ben, ouais. c'est ça. C'est comme dans une société où il y aurait deux groupes, puis dans le fond, il y a de la discrimination entre les deux, là. Il y a Ouais, un groupe qui est pris comme travailleur, puis que les autres qui est exploité par l'autre groupe. Bon, c'est un récit encore une fois d'aventure, puis il y a beaucoup de péripéties, mais j'ai toujours un peu comme personne, là, le goût de parler de certains phénomènes sur lesquels on peut réfléchir. Fait que c'était un peu de comparer deux sociétés, une société qui est dans ce genre-là où il y a de la discrimination, puis ils vont découvrir plus loin une autre façon de vivre, là. Je veux mettre en opposition deux sociétés différentes, une qui est plus utopique peut-être, qui est meilleure. Ah, c'est sombre au départ dans l'endroit d'où il part, mais il y a quelque chose de positif dans le livre. Ils finissent par trouver d'autres façons de faire. Ouais, c'est bon là, de créer l'espoir aussi, pas tout Ouais. le temps, Ah toujours en ouais. grande noirceur. Ah Ouais, mais ouais, effectivement. quand j'ai lu ça, c'est ça que j'ai perçu aussi dans le résumé de l'histoire. C'est deux, comment je pourrais dire, c'est comme tu dis, entre c'est deux comme deux sociétés qui se rencontrent, puis à un moment donné, ils finissent par mieux se comprendre, j'imagine, là, mieux s'accepter un l'autre. Ah ouais, ben c'est une façon un peu de faire passer peut-être un idéalisme, un espoir que les choses ne seront pas toujours comme elles sont maintenant, hein, comme on voit que c'est un Ouais, peu merci. décourageant, là. C'est des. Oui, ouais, c'est ça. Je vous dis pas où c'est exactement l'île-mère du titre, là, mais finalement, il y a quasiment un lien avec l'actualité. Parce que Ah oui. j'ai vu une carte dans la presse récemment où on parlait de zones qui seraient à risque maintenant qu'il y a des guerres, malheureusement, là. Il y avait sur Ouais. cette carte-là, il y a une partie, c'était où je passe mon histoire. Mais vous Ah, allez le ok. découvrir en lisant l'histoire, là, finalement. Ah, ok, on va aller. J'imagine qu'ils sont à la librairie moderne. Ben là, moi, je connais la librairie moderne, entre autres, là. Ouais, C'est. ben, c'est supposé, je peux aller faire un tour, il va falloir que j'aille, là, incognito, peut-être, là, pour pas que je vois que je pose Faire une séance de des signature aussi, là.
Annoncer Ouais. une séance de signature comme ça attirera le monde peut-être un peu plus Ouais, parler à ben là, l'auteur ça direct. vient tout juste de sortir. Je vais laisser le temps d'arriver puis de déballer, puis on verra. Ouais. On pourra se recontacter, puis Oui, annoncer ça, oui. là, éventuellement. C'est sûr que la saison du printemps est des. Oups, je suis encore là. Ouais. Ah, je viens de perdre une image, moi. Mais vous me voyez. Oui, moi en tout cas, je vous vois. Bon, ben, on va dire que je vous imagine. C'est Ah les oui. joies de la technique, là. Je ne sais pas pourquoi l'image s'est envolée. Mais Ah. de ce que j'allais dire, c'est que là, le printemps avance déjà, mais on va probablement faire plus là, des grosses activités à l'automne avec la rentrée littéraire de Ah. l'automne, finalement. C'est Ah oui, ben avec oui. avec la pandémie, toutes les horaires ont été un peu bousculés, là. Il y en a un qui a été retardé pendant un an à cause de problèmes de main-d'œuvre à l'imprimerie, de manque de papier à l'imprimerie. Là, les choses vont se replacer. Ouais, OK. Ouais, ça touche à tout. Hein. La pandémie, ça a pas mal, c'est vrai, bousculé notre façon de vivre et notre, comment je pourrais dire, on s'aperçoit qu'on était bien confortable finalement avant la pandémie, puis que la pandémie a fait en sorte qu'on réalise aujourd'hui qu'il faut peut-être être plus attentif à ce comment qu'on vit aussi pour Ouais. conserver notre comment, pas de confort ou Ouais, paix ouais. d'esprit, tu sais. Ouais. Tout à fait. Dans le livre La Bariolée, là, en fait, au début, on pense que c'est un endroit qui n'existe pas, puis que c'est comme imaginaire. Mais vous allez voir, on retrouve le monde moderne quelque part, là. Puis il y a OK. les traces de tout le plastique qu'on laisse partout, puis tout ça, l'hyperconsommation qu'on a, là. Ben, je Ouais. voulais un peu aussi parler de ça, hein. Tout le monde commence à être sensibilisé à ça maintenant. Il faut faire attention à notre monde. Peut-être que la pandémie, en principe, va nous apprendre un peu qu'il y a des valeurs plus importantes que d'autres, là, je l'espère. En tout cas, ils vont être pas mal plus présents qu'avant. Je suis certain qu'avant la pandémie, là, mettons, là, ces valeurs-là. Ouais. Comment vous voyez ça? Oh, ben, je devrais pas dire ça demain, mais là, comment qu'on fait pour être écrivain? Ça, c'est une grosse question, là, peut-être. Comment qu'on devient écrivain? Parce que vous étiez professeur de sciences en biologie, je crois. Puis, le fil en aiguille, on met le crayon sur le papier, on se met à écrire, ou c'est tout simplement qu'on a déjà des histoires en plein la tête qu'on veut conter? Ouais, ben, ça se bâtit depuis l'enfance, dans le fond. Hein. À l'époque, il n'y avait peut-être pas autant de ressources de bibliothèques. Moi, je venais d'un petit village. Avant d'être à Saint-Jean, j'étais à Sabrevois. On n'avait pas encore de bibliothèque dans ce temps-là, dans le village. Puis c'était les Tintins à Noël qui étaient notre source de lecture. J'étais enfant de cœur, je me souviens. Dans la sacristie, il y avait quelques vieux livres pour faire patienter les enfants de cœur entre les offices. Bon, j'ai toujours aimé les histoires de récits de voyage. J'avais des Jules Verne à l'époque, là, des Jules Verne simplifiés. Bon, j'ai toujours aimé les. Puis au secondaire, c'est juste avant que ça devienne le cégep, là, c'était le séminaire de Saint-Jean. Wow, ça ne me rajeunit pas. Et puis, il y a un prof qui m'avait encouragé à écrire parce qu'il y avait des concours littéraires. Fait que ça date de ces époques-là. J'ai écrit depuis longtemps, mais après avoir élevé un peu la famille, là, ben là, j'ai eu plus de temps pour mettre ça de lunettes davantage. Là. Et puis là, ben, Ouais. à la fois, ça a fini par s'accumuler. Celui-là, la bariolée, ça se trouve être le 27e là, qui vient de sortir. 27e, OK. Ouais. Mais bon, hein, les années passent aussi, hein, mais c'est une façon de rester jeune parce qu'on reste jeune dans notre tête quand on fait des récits pour les jeunes ou pour des aventures. Quand on est occupé, qu'on est occupé avec des choses qu'on aime faire, je pense que la jeunesse reste en place tout Ben, c'est ça, c'est ça. Puis on le temps. demeure curieux parce que quand on fait des recherches pour un C'est sujet, ben, ça. on apprend toutes sortes de choses. Mais puis On est vivant, on reste vivant, c'est ça, puis ça rend vivant encore tout plus. à fait, tout à fait. Puis vous le savez vous-même, dans le fond, par toutes les entrevues, vous voyez plein de gens qui font plein d'activités. Ben, c'est Ah oui. stimulant, hein? C'est ça. C'est fascinant la vitalité qu'il y a à Saint-Jean, puis c'est le fun d'en découvrir tout le temps des nouvelles, Ouais. dont vous, dont toi, Jean-Pierre, parce qu'on ne se connaissait pas avant l'entrevue. Qu'on se fait révéler ces choses-là, puis c'est encourageant. C'est encourageant de voir que c'est vivant, c'est très vivant.
Oui, puis c'est spécial d'avoir comme ça là, un service comme ça pour nous faire des entrevues, nous rencontrer. Ça n'existait pas auparavant, là, ça fait juste quelques années là, maintenant, là. Ça fait 2 ans, Bon, peut-être, ben là. écoutez, c'est fameux ça, je l'apprécie beaucoup. Ah, ben, tant mieux. Nous autres aussi, on aime ça vous rencontrer, puis jaser avec tous ces beaux talents-là qu'il y a dans la place, là. C'est tout le temps bien le fun. Ben, j'espère qu'à un moment donné, ça va, là, bientôt, ça va pouvoir être en personne, qu'on va pouvoir se Ah! croiser dans des événements, puis revoir les lecteurs aussi, faire des activités, des rassemblements. Ouais. Oui, nous autres aussi, on aimerait ça retourner plus en personne si on veut faire les entrevues. Mais ça va se faire graduellement parce que, bon, faut jouer avec ce qu'il y a dans l'air, hein. Finalement, là, les microbes, ils nous suivent ou ils nous attaquent, un des deux. Dans la bariolée de l'île-mère, l'humanité a subi une espèce de choc, là. Bon, à un moment donné, j'ai pensé que ça serait pour être la pandémie. Mais là, je me suis dit, bon, je vais faire autre chose comme choc parce que la pandémie, tout le monde commence à en avoir assez, là. On a le goût de parler d'autres choses, là. Ouais, ben écoute, c'est une aventure comme ça, là, moi, en tout cas, j'ai juste lu le résumé, puis je trouve ça. Non, je pense que ça va être un livre qui va être intéressant. Ça va être intéressant de regarder la vie de cet œil-là, Ben, de cet merci. œil-là. Évidemment, j'en suis fier, c'est certain. Mais je dois dire aussi, l'éditeur Québec-Amérique, c'est déjà très minutieux. Je pense que j'en suis rendu à ma troisième ou quatrième version avant d'avoir la version finale. C'est OK. peaufiné, mais c'est ce qu'il faut. Là, puis j'en suis bien content. C'est bon, il faut fignoler. Puis les autres, les éditeurs, j'imagine que c'est leur rôle de faire ces choses-là pour s'assurer qu'il y ait un succès avec cette publication-là. Donc, chacun sa mission, on dirait. Oui. Qu'est-ce qu'on souhaite pour la littérature dans les mois et années à venir, Jean-Pierre? Ben, en réalité, je pense que la littérature va bien. Peut-être parce que je suis trop optimiste, là. C'est sûr que les habitudes, les façons de lire, des fois, changent. Il y a des livres qui sont disponibles en numérique et non pas nécessairement toujours en papier. Mais c'est correct. Ben, c'est certain qu'il faut faire vivre nos libraires ici, là, puis c'est important. Mais aussi, même si les outils changent, ça n'empêche pas d'échanger, ça n'empêche pas de s'exprimer, ça n'empêche pas de créer. Et je pense que les jeunes lisent encore beaucoup. Et ça s'est augmenté, les ventes de livres pendant la pandémie. Ça prouve que ça répond à un besoin, là. Donc, je suis optimiste quand même. Bon, ben c'est ça qu'on va souhaiter parce que évidemment, faut continuer à se conter des histoires si on veut se rappeler de notre histoire. En tout cas, c'est drôlement dit, là, Oui, mais non, c'est vrai. Ouais. comme dirait l'autre, je me comprends. C'est tout à fait vrai. C'est un besoin qu'on a en nous de partager, d'échanger, puis c'est une façon de le faire aussi, de réfléchir sur nos lectures, d'échanger là-dessus. C'est dans la nature humaine. Oui, absolument. Mm. Allez, sur ces bons mots, sur ces bons mots, ben, Jean-Pierre, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'avoir partagé généreusement là, votre histoire, finalement, pour qu'on puisse la lire. Eh bien, Donc, merci. il y a deux Merci à toi, parutions. Luc, pour l'invitation. Merci aux députés de rendre ça possible, Monsieur Lemieux, ce studio Saint-Jean. Puis à notre technicien, Monsieur Pouliot, qui nous a tout arrangé ça pour que ça fonctionne là, Oui. dans des circonstances pandémiques pas toujours évidentes. Pas toujours évident, effectivement. Merci beaucoup, puis à bientôt. On va se croiser sûrement quelque part dans une librairie ou dans un salon du livre là, pour Je l'espère. Je l'espère. Au ben, plaisir. moi Salut. aussi. Bye-bye. Salut. Tout simplement, ben, merci beaucoup de nous suivre, de encore nous suivre constamment sur notre chaîne. Si vous avez des sujets à nous suggérer, gênez-vous pas, là, vous nous écrivez un mot à notre adresse qui apparaît souvent en bas de l'écran, en bas de mon menton, là. Vous nous écrivez un mot, puis écoutez, ça va nous faire un plaisir de vous recevoir, puis de vous jaser, de vous découvrir. Gênez-vous pas, c'est pas gênant. Nous autres, on aime ça de parler au monde, puis on est accueillant. Donc, d'ici à ce qu'on se parle, ben, portez-vous bien. Bonjour.